Bonjour, je m'appelle Galem, je suis formateur interne chez Holot. Aujourd'hui, je vais vous montrer la procédure à suivre pour effectuer une prise de poste, qui est une étape essentielle à la prévention de la sécurité. La prise de poste consiste à effectuer un certain nombre de contrôles avant l'utilisation de la machine. Donc, au niveau de la première étape, je vais vérifier si j'ai mes documents. Qu'est-ce que je dois retrouver comme document à l'intérieur de ma mallette? Je dois avoir le manuel d'utilisation dans la langue du pays de l'utilisateur. Ensuite, ici dans notre exemple, ce sera le manuel en français. Ensuite, je vais retrouver le certificat de conformité, le certificat CE. On est en France, il nous faut dans la réglementation le certificat de conformité. Ensuite, je vais retrouver mon manuel de maintenance. Et dernier document très important, qui est la VGP, vérification générale périodique, qui est fait par un organisme de contrôle extérieur et qui est valable 6 mois. Si dans cette VGP j'ai des anomalies, je ne dois pas utiliser la machine, je dois la consigner et remonter ça à mon manager. L'étape de contrôle visuel. Je vais démarrer par le pupitre bas. Je vais contrôler déjà que tous mes boutons reviennent bien quand j'appuie dessus. Je vais contrôler l'état général de ma sérigraphie, que j'ai bien tous les symboles correspondant aux boutons. Je vérifie en même temps mon bouton d'arrêt d'urgence qui revienne bien. Et ensuite, je vais ouvrir le capot pour vérifier ma tourelle. Première chose que je vais vérifier, mon niveau à gasoil, pour qu'il puisse me tenir la durée de mon chantier. Ici, je vais retrouver mon réservoir d'huile hydraulique avec son niveau. Là, on est pas mal du tout. Et j'en profite pour jeter un œil dans ma tourelle, vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile, vérifier que mes flexibles sont en bon état et branchés. La même chose pour mes câbles électriques. Ensuite, si on descend, on va retrouver ici ma couronne d'orientation. Je vérifie qu'elle soit bien fixée et surtout bien graissée. Je vais continuer mon contrôle par la première roue. Je vais vérifier l'état de ma pneumatique. Vérifier que mon pneu n'est pas usé et qu'il n'est pas entaillé. Ensuite, je vais vérifier au niveau de ma jante si je n'ai pas des fissures et vérifier la présence de tous les écrous de roue. Ensuite, je fais le même contrôle à l'intérieur de ma roue. On peut prendre comme exemple la roue suivante ici ou à l'intérieur. Je vérifie que mon pneu est en bon état et qu'au niveau de ma jante, je n'ai pas de fissure. Ici, je vais vérifier l'état de mon contrepoids, vérifier s'il n'y a pas de fissure, s'il n'est pas abîmé. Je vais continuer ensuite par les arrêts d'axe que j'ai ici. Je vérifie bien que j'ai tous mes arrêts d'axe et qu'ils soient bien serrés. Au niveau du bac moteur, je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Ensuite, je vais vérifier ma batterie. Je vérifie bien qu'elle soit bien fixée et que l'écosse ne soit pas oxydée. Ici, je vais vérifier mon niveau d'huile moteur. Ici, le niveau est bon. Ensuite, au-dessus, je vais avoir le filtre à air. Pour vérifier si le filtre à air est encrassé, je vais juste appuyer sur la crépine ici. Ensuite, je vais continuer mon contrôle. Je vais vérifier si je n'ai pas de fuite. Et au niveau de mes câbles électriques, je vais vérifier s'ils sont bien attachés, s'ils ne sont pas abîmés. Et on va terminer par la couronne. Ici, au niveau de la couronne, je vérifie bien qu'elle soit bien graissée. On va continuer le contrôle visuel avec mon ensemble bras et mon ensemble flèche. Au niveau de mon ensemble bras, je vais déjà vérifier tous mes arrêts d'axe, qu'ils soient bien présents et bien fixés. Au niveau de mes composants bras, je vais vérifier que je n'ai pas de fissures, au niveau des soudures par exemple. La même chose sur mon ensemble flèche. Et en plus, je vais vérifier mon chemin de câble ici, et vérifier que mes câbles et flexibles soient bien attachés. Au niveau de mon panier, je vais vérifier que je n'ai pas de jeu, déjà. Je vais vérifier au niveau de ma structure que tout est OK, que je n'ai pas de fissure. Et j'en profite pour vérifier la barre coulissante. Au niveau du pendulaire, je vais vérifier que je n'ai pas de fuite au niveau de mon vérin et au niveau des flexibles.